Merci beaucoup pour cet accueil. Chaque langue est une des merveilles du monde. Elle est une construction très élaborée, comme une symphonie, une épopée, un grand édifice dans laquelle ou lequel on peut se promener en admirant à la fois l'ensemble et les détails. Elle est aussi une présence de tous les jours, familière et serviable. Nous voyons depuis au moins Alexandre von Humboldt qu'une langue est également une vision du monde et que chaque langue offre une perspective différente sur le monde que nous partageons. Le monde du français n'est pas le monde de l'anglais. Le peuple qui a créé le français et qui a été créé en partie par lui diffère du peuple qui a créé l'anglais et qui en partie en dépend. Et l'intérêt de ces deux langues est d'être très dissemblables. Vive la différence. Au point où il m'arrive de penser que le français est l'autre de l'anglais, l'anglais l'autre du français. Et pour saisir le génie de ces deux peuples, d'après leur langue, commençons non dans ces langues elles-mêmes, mais dans leur usage. Et comme je l'ai dit dans d'autres conférences, pas ici, non pas au Parlement, au tribunal, à l'église ou à l'université, mais dans le métro. C'est un exemple dont je me suis souvent servi, mais il introduit très bien, me semble-t-il, tout ce que j'ai à dire. Je suis persuadé que de petits exemples, très souvent, de petits détails, nous introduisent à tout l'étendue d'une question. Qu'est-ce qu'on entend dans l'underground à Londres et le métro de Paris? Dans certaines stations de métro, dans certaines lignes de métro à Londres, on entend « mind the gap ». Dans le métro de Paris, on entend « attention à la marche en descendant du train ». Alors, vous voyez tout de suite que les deux mondes se séparent. Mind the gap, d'abord, est très court. Les trois mots sont des mots germaniques qui viennent de l'anglo-saxon ou du vieux norrois. Les mots français sont presque tous, je reviendrai là-dessus, d'origine latine. La version française est très longue, très harmonieuse, très belle, mais tellement longue qu'il est toujours possible qu'avant que la dame, c'est normalement une dame, arrive à la fin de sa phrase, on se soit cassé la jambe. L'anglais dit, en somme, « faites gaffe aux trous », alors qu'en français, on prend son temps. L'anglais est énergique à cause de l'accent d'intensité. Mind the gap. Pas mind the gap, mais mind the gap. L'anglais est entièrement composé de monosyllabes. Dans la version française, il y a attention et descendant. Et dans la version française, curieusement, tous les mots sont d'origine latine, sauf un. Je devrais vous faire un petit examen. Quel mot dans « attention à la marche en descendant du train » n'est pas latin? C'est le mot « marche », curieusement, qui est d'origine germanique.
Et je le dis en passant, parce que j'ai remarqué que beaucoup de Français ne semblent pas savoir et s'intéresser au fait qu'il y a beaucoup de mots en français qui viennent des Francs, qui ont après tout créé le pays, comme il y en a beaucoup qui viennent des Gaulois qui étaient là avant. Et l'anglais va tout de suite au problème. Il y a un problème quand vous sortirez du métro, il y a un gap, un espace. Faites attention, mind the gap. Le français préfère s'élever un peu au-dessus de tout cela et dire dans une phrase très éloquente, très élégante, attention à la marche en descendant du train. Et vous tous qui avez des oreilles très fines avez compris que c'est un alexandrin. J'attends. Attention à la marche en descendant du train. C'est très beau. C'est très beau, mais ce n'est pas particulièrement efficace. Et c'est un peu comme la différence à la bataille d'Hastings de Hastings, comme on dit en français, la différence entre les deux cris de guerre. Le cri de guerre des Normands était « Dex ait », un subjonctif, « Que Dieu nous aide », alors que le cri de guerre des Anglais, c'était « Out, out, dehors ». Et il me semble que c'est très important. L'anglais veut épouser le réel. Le français préfère créer quelque chose d'éloquent, créer un langage qui soit un peu détaché du réel et qui ait sa propre raison d'être. Le français s'écarte un peu du réel, alors que l'anglais s'agrippe au réel. Parce que les Français et les Anglais ont un rapport différent au langage, donc au réel. Les Français veulent qu'il y ait un écart entre la réalité et le langage qu'ils utilisent. Les Anglais veulent qu'il y ait le moins d'écart que possible. Et cela explique tout. Ça explique les différences entre la littérature française et la littérature anglaise, surtout entre les deux poèmes, poésie. Cela explique la différence des deux histoires. Ça explique la différence de la théorie et de la pratique politique dans les deux pays. Cela explique pourquoi les Français sont comme ils sont et pourquoi les Anglais sont comme ils sont et pourquoi les Anglais et les Français trouvent si difficile de se mettre d'accord sur n'importe quoi. Et cette tendance du français à s'écarter du réel se voit pour les Anglais dans beaucoup d'expressions tout à fait quotidiennes, où l'on voit que, en un sens, les Français ne veulent pas dire la chose. Par exemple, un concours hippique. Où, dans l'expression concours hippique, sont les chevaux? Ils sont dans le mot grec, hippos, à l'origine d'hippique. Alors que les pauvres Anglais, bêtes comme ils sont, disent horse show, parce qu'il y a des chevaux. En France, on peut avoir une crise cardiaque. Mais où est le cœur? Dans cardiaque, bien sûr, mais il faut connaître le latin. Alors que les Anglais ont un heart attack, quelque chose qui attaque le cœur. Ils sont bêtes, les Anglais, ils disent les choses telles qu'elles sont. J'ai remarqué aussi qu'en France, personne n'est gros.
Mais il y a quelques personnes qui ont une surcharge pondérale. Ça, c'est magnifique. Une paraphrase qui est aussi un euphémisme. Alors que les pauvres Anglais sont « overweight ». Ils ont trop de poids, voyez. Et ça continue. Un journal qui paraît en Angleterre tous les jours s'appelle un « daily », à partir du mot « day », jour. Mais un journal en France qui paraît tous les jours est un quotidien. Une revue qui paraît toutes les semaines en Angleterre est une « weekly », « week », la semaine. En France, une hebdomadaire. Vous vous rendez compte? Hebdomadaire. Qui sont les Français qui savent que le mot hebdomadaire inclut le mot grec pour une semaine? Et à chaque fois, on s'éloigne doucement, élégamment, d'une façon assez érudite, finalement, de la chose elle-même. Et il est évident que les Français aiment cela. Les Anglais disent le réel, le français est une sorte d'élégante paraphrase du réel. Paraphrase et périphrase. Il y a la réalité, bon, la réalité c'est simplement la réalité, mais il y a aussi la langue. Et la langue, dans la langue, on cherche la périphrase, la paraphrase. C'est la même chose quand on dit que quelqu'un est appuyé contre la barrière. Appuyé, c'est le participe passé. On ne fait rien, on est simplement appuyé. Alors qu'en anglais, on dit leaning on, c'est le participe présent du verbe. Et quand on est leaning sur contre la barricade ou la barrière ou n'importe quoi, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose pour s'appuyer. On est leaning. Vous voyez, le ing, c'est une action dans le temps. C'est la même chose au niveau le plus élevé, pas tout à fait le plus élevé, quand on parle en français de l'être, l'apostrophe être, l'être. Le substantif formé de l'infinitif. L'être est une idée tout à fait, non pas irréelle, mais un peu au-dessus du réel, une sorte d'abstraction. Alors qu'en anglais, pour dire la même chose, paraît-il, mais ce n'est pas la même chose, que l'être, nous disons « being ». L'être de Dieu, the being of God. Mais pour être en anglais, il faut faire quelque chose. The being of God, ou, si vous préférez, the being of a tree, par exemple, l'être d'un arbre, signifie que Dieu ou l'arbre vivent. Ils vivent dans le temps et ils... En un sens, ils font un effort pour être. Alors que l'être en français, c'est au-dessus de cette réalité. Ce n'est pas une critique, hein. J'essaie simplement de voir la différence. J'ai passé toute ma vie à apprendre à ne pas critiquer le français. Et l'autre partie de ma vie à essayer de persuader les Français de ne pas critiquer l'anglais. Ça, c'est plus difficile. Et le français est effectivement très, très attirant pour un Anglais, à cause de cette capacité de s'élever un tout petit peu au-dessus du réel. C'est la même chose, curieusement, dans le jardin à la française et the English garden, le jardin anglais. On fait constamment cette comparaison, ou plutôt ce contraste. On dit communément que... On comprend beaucoup de choses à propos des Anglais et des Français lorsqu'on voit la différence entre le jardin à la française et un jardin anglais. C'est vrai. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le jardin anglais, où on imite la nature, on essaie de suivre la nature,
les montées et les descentes de la Terre, la configuration de la Terre, les lignes sinueuses de la nature, qui n'a pas de ligne droite, que cette imitation de la nature est précisément un effort pour rester près de la nature tout en l'améliorant. Un jardin, après tout, est artificiel. C'est une œuvre d'art. Un jardin n'est pas la nature laissée à elle-même. On essaie de l'améliorer. J'utilise le mot anglais du 18e siècle. Improve. To improve nature. On essaie d'amender la nature, mais selon le génie de la nature, selon, si vous voulez, l'être de la nature. Alors que le jardin à la française signifie, si je ne me trompe pas, signifie que les Français veulent que le jardin montre la supériorité de la raison humaine sur la nature. Le jardin à la française qui utilise les lignes droites, courbes, mais courbes régulièrement courbes, qui en quelque sorte apprivoise la nature pour qu'elle devienne une œuvre d'art. Voyez la différence. Et c'est la différence entre Shakespeare et Racine. Je dis quelquefois que si on comprend la différence entre « mind the gap » et « attention à la marche en descendant du train », on comprend toutes les différences entre la France et l'Angleterre, y compris la différence entre Racine et Shakespeare. Racine, c'est un jardin à la française. Shakespeare, c'est un jardin anglais. Tous les deux sont, enfin, leurs œuvres sont artificielles, ce sont des œuvres d'art. Shakespeare est tout à fait contrôlé, il ne fait pas n'importe quoi, il sait exactement ce qu'il fait, il crée une unité, mais c'est une unité à l'anglaise. Et cela signifie, me semble-t-il, qu'il y a deux façons d'habiter le monde. Pour les Français, il faut que tout soit relié à tout. Un Anglais, encore une fois, peut s'émerveiller quand il comprend, commence à apprendre l'anglais par des mots comme « en » et « i ». Par exemple, en anglais, en français, on dit « vous avez fini votre café, en voulez-vous un autre ?» Et ça semble normal. Et beaucoup d'Anglais diraient, avant de maîtriser la langue, « vous avez fini votre café, voulez-vous un autre ?» Parce qu'en anglais, on dit « would you like another ?» On peut dire « would you like another one ?» mais ce n'est pas nécessaire. Voyez ? Ou le bâtiment qui sert d'annexe, la mairie est le bâtiment qui, lui, sert d'annexe. Il faut à chaque fois que tout soit relié à tout. Et j'ai l'impression que les Français veulent effectivement que par la langue, ils dominent une réalité qui est, ma foi, un peu grossière et qui s'attend à ce que les Français arrivent pour mettre un peu d'ordre là-dedans. Et ce n'est pas du tout la réaction des Anglais. Et j'ai l'impression que la syntaxe du français, parce que quand on parle de « en », « il », « lui », etc., on parle de syntaxe, la syntaxe du français est là pour créer de l'ordre. Et alors que la syntaxe anglaise est là pour rassembler le monde, bien sûr, mais de la façon la plus souple possible, en laissant en quelque sorte la réalité libre. Et je pense que la syntaxe française, comme je l'ai écrit quelque part, plane un peu au-dessus du réel, afin de l'éclairer. Un peu, et c'est un peu comme une montgolfière qui se lève afin que l'on domine tout le paysage. Et c'est très beau. Ce n'est pas ce que fait l'anglais, c'est très beau. L'anglais,
fait quelque chose qui est tout aussi beau. L'anglais, c'est plutôt comme un chemin creux, un lane, un de ces célèbres lanes en anglais, qui vous invite à suivre les configurations du terrain. Vous êtes dans le réel. Le réel, c'est l'espace et le temps. Et je pense que voilà une grande différence. Les Anglais aiment rester près de la réalité. Les Français aspirent à monter légèrement au-dessus et de mettre un peu d'ordre dans les choses. Et il est clair aussi que les Anglais et les Français habitent de manière différente leur langue. Nos langues sont bien plus anciennes que nous. Elles ont une mémoire qui dépasse entièrement la nôtre, une mémoire qui remonte les siècles. Et pour moi, il est important d'être conscient de ses racines. Et je trouve que les Anglais sont plus conscients de ces racines-là. J'ai commencé à le dire il y a un instant. Les Anglais sont conscients de leurs racines pour une raison très simple. C'est que l'anglais est une langue hybride, une langue foncièrement germanique, c'est la langue parlée par les anglo-saxons, qui est devenue l'anglais et qui a évolué siècle par siècle, après siècle, pour devenir l'anglais contemporain. Mais en même temps, à cause des Normands, et grâce aux Normands, des Scandinaves qui avaient appris à parler français, il y a énormément de mots d'origine française, comme il y a énormément de mots d'origine latine, des mots qui viennent directement du latin, par les Romains qui ont habité pendant plusieurs siècles en Angleterre, par l'Église, et par le fait que les Anglais ont pris des mots du latin à partir du XIVe siècle, comme on a inventé des mots français aussi, au moment de la pré-Renaissance et la Renaissance. Donc l'anglais est une sorte de langue hybride et nous l'apprenons à l'école, ou je devrais dire, nous l'apprenions autrefois à l'école, au lycée. Nous apprenions qu'il y avait deux langues. Pour parodier Racine, je pourrais dire « j'ai deux langues en moi » plutôt que « deux hommes ». Il y a deux langues en moi, une langue germanique, une langue latine. Il me semble important de savoir que notre langue n'est pas la langue de 2021, c'est la langue qui vient de très loin, qui est plus vieille que nous, plus ancienne, qui nous habite et qui nous forme. Et alors que les Français sont moins conscients de l'existence, de la présence dans le français, de mots gaulois et de mots qui viennent du francique. En êtes-vous conscient? Du gaulois, quand vous dites montée, charpente, crème, bruyère, alouette, etc., etc., vous parlez gaulois. Vous ne parlez pas une langue latine. Quand vous voyagez en France, vous voyagez en Gaule. Paris, Bordeaux, Lyon, Seine, Marne, Cévennes, Vosges, le Morvan, tous ces mots sont gaulois. Il me semble important d'y penser. Il est vrai que je suis poète, donc je suis toujours sensible, évidemment, aux mots et à ce que signifie le fait qu'un mot est gaulois plutôt que latin. Mais je pense que pour tout le monde, il est important de savoir que notre langue vient de plus loin, comme dirait Phèdre. Les mots franciques, en connaissez-vous? Mais bien sûr, quand vous dites garçon, riche, honte, bâtir, bleu, beaucoup de
couleur, gardée. Quand vous dites le mot France, vous parlez francique, vous parlez la langue des Francs, des envahisseurs germaniques de la France. Il y a beaucoup d'autres mots d'ailleurs en français qui viennent du haut allemand ou des mots laissés par les Visigoths et les Burgondes. Les Burgondes étaient germaniques, les Normands qui étaient scandinaves. Il y a beaucoup de mots qui ont été empruntés aux Néerlandais et d'ailleurs à l'anglais. Nord, est, sud et ouest viennent du vieil anglais. Comme je disais tout à l'heure, sans les vieilles anglais, c'est-à-dire les anglais entre le 5e et le 11e siècle, les Français seraient désorientés. Vous ne saurez pas où, dans quelle direction partir, parce que vous n'aurez pas les mots pour le nord, l'est, le sud et l'ouest. C'était une blague, mais importante quand même, parce que cela signifie que, même dans les mots les plus simples, vous êtes, pour ainsi dire, à l'étranger. Je pense que c'est important, parce qu'il ne faut pas vivre à la surface du temps. Vous le savez si vous faites des études d'histoire. Lorsque j'enseignais en Angleterre, j'avais beaucoup d'étudiants anglais qui disaient de temps en temps « Oh, ça s'est passé avant ma naissance. » Comme si tout ce qui s'était passé avant la naissance de cette génération-là n'avait pas d'importance. Alors que tout le passé a de l'importance et le passé n'est pas passé. Le passé est toujours là. Toujours là. Quelquefois, c'est quelquefois dommage d'ailleurs, mais le passé est là, nous forme, et le passé des langues nous forme aussi. Et nous habitons le monde aussi par les sons des langues. Pour un anglais, les sons des français sont merveilleux. Peut-être un peu embêtant quand on commence à parler français, parce qu'il faut apprendre à dire « u », ce qui est ridicule pour un anglais, mais non pas pour les Écossais. Les Écossais ont le son « u ». Il faut apprendre à dire « on », « un », « un », etc. C'est un peu embêtant au début, mais si on a de l'oreille, on comprend aussi que tous les sons du français sont différents, sont autres que les sons de l'anglais. Évidemment, quand on apprend l'anglais, il faut apprendre à dire « the » et « thing ». J'ai remarqué que les Français n'aiment pas sortir la langue entre les dents. Je pense que c'est parce que vous pensez que c'est impoli. Vous n'aimez pas, en parlant à quelqu'un, faire et j'ai remarqué qu'en Angleterre, les Français qui vivent en Angleterre et qui parlent très bien l'anglais évitent quelquefois ces sons-là, « the » et « th ». Ils disent « the » et « ving » avec comme une sorte de « v ». The problem, etc. C'est curieux. Vous n'aimez pas prononcer le H non plus. Même quand vous lisez le grec, je ne sais pas si vous étudiez le grec, mais en grec, il y a le son « h », comme dans beaucoup de langues d'ailleurs, en allemand aussi, sans doute dans toutes les langues germaniques. Vous dites précisément « Hastings » parce que vous n'aimez pas dire « Hastings » ou en fait « Hastings » en anglais. Et il me semble que c'est intéressant. Lorsque j'entends l'anglo-saxon, par exemple, c'est-à-dire le vieil anglais, parler en Angleterre à partir du 5e siècle, je m'émerveille de ces sons comme je m'émerveille du son du français. Lorsque je lisais Racine pour la première fois, moi-même il m'enferma dans les cavernes sombres, lieux profonds et voisins de l'empire des ombres. Cette sorte de voix basse de Thésée dans Phèdre,
cette séquence de voyelles qui sont elles-mêmes un peu sombres, émerveillant, est émerveillant. Et les vieux Anglais parlaient ainsi. Je vais vous lire un peu de vieil anglais. C'est un des premiers poèmes anglais qui est une sorte de paraphrase de la création. Nu schollen Herren, Heaven reaches ward, Metules mecti, and his morgidank, Werk, Vuldor fador, Soe hi wundra kihues, Etsi, drichten. Alors pour moi, c'est merveilleux. Vous souriez comme si vous pensez, ah ben c'est pour vos anglo-saxons, s'il fallait parler comme ça, bon sang. Mais je trouve que c'est merveilleusement énergique. Les consonnes sont très fortes. On entend plutôt que les anglo-saxons aimaient s'agripper aux choses, même quand ils parlaient de Dieu. Parce qu'en fait, le poème, c'est une série de mots pour nommer Dieu. C'est absolument magnifique, en fait, quand on traduit. Et c'est la même chose avec l'anglais de Milton. Une manière très simple de voir la différence entre les deux langues, c'est de prendre une traduction. Un poème dans une des deux langues et une traduction dans l'autre. Alors, écoutez les différences entre Milton et sa traduction par Chateaubriand. Chateaubriand, un grand écrivain français, pas un petit maître qui aurait eu l'idée de traduire Milton. Le Paradis perdu commence ainsi. J'exagère un tout petit peu. Of man's first disobedience under the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe. Chateaubriand. La première désobéissance de l'homme est le fruit de cet arbre défendu dont le mortel goût, il dit bien mortel goût, apporta la mort dans le monde et tous nos malheurs. Alors, on voit bien que le français coule. C'est une coulée mélodique, pour citer Claudel. Il disait qu'il aimait beaucoup la coulée mélodique du français. C'est fluide, pour citer Dubellé. Dans la défense et illustration de la langue française. Il voulait un français fluide. La même métaphore, hein, fluide, coulé, c'est l'eau. Il voulait tous les deux que le français avance un peu comme l'eau. Alors que Milton, non seulement écrit des vers plutôt consonantiques que vocaliques, mais il prend plaisir à mettre en évidence les consonnes en faisant que la fin d'un mot se terminant par une consonne est suivie par un autre mot dont le début est aussi une consonne ou un son consonantique. Man's first. First disobedience. Et les Anglais aiment beaucoup cette sonorité consonantique. Alors qu'il me semble que les Français aiment les sons vocaliques par-dessus tout. L'oreille n'est pas du tout la même chose. C'est pour cela, me semble-t-il, que les Français ont inventé le E muet. Vous l'avez vraiment inventé, je l'ai trouvé dans aucune autre langue, et vous l'avez inventé, parce que jusqu'au XVIIe siècle, le E muet n'existait pas. Ronsard disait que l'alexandrin
à 12 ou 13 syllabes. Autrement dit, un alexandrin se terminant par ce qui est pour nous un homme muet, un mot, une terminaison féminine, comptait 13 syllabes. Et cette différence entre les deux prosodies devrait nous parler de nos différences. Je pense que c'est Madame de Staël qui a dit qu'il faut étudier la prosodie d'un peuple pour comprendre le peuple. Et c'est en étudiant la prosodie du français, l'alexandrin, le décasyllabe, etc., que j'ai commencé à comprendre les Français. Et je pense que ça doit être la même chose en sens inverse. D'ailleurs, quand je me plonge dans la prosodie de l'anglais, je comprends mieux les Anglais. Je comprends mieux pourquoi je suis anglais d'origine et en quoi cette anglicité consiste. Il faut dire aussi, que, entre parenthèses, que les Français ont travaillé les sons de l'anglais, de leur langue, du français. Le français n'est pas statique. Quand on parle du français, il faudrait peut-être parler des français, le français du 12e, le français du 16e, le français de maintenant. Et j'ai remarqué aussi que les Français de maintenant veulent tous défendre le français. Et je fais de mon mieux pour les aider, à l'académie, dans les journaux et ailleurs. Mais pour défendre le français, il faut continuellement réinventer le français. Les Anglais sont très bien pour inventer. À la Renaissance, les écrivains anglais empruntaient des mots à 50 langues dites étrangères. 50, c'est l'époque de Shakespeare. C'est en partie pour cela que Shakespeare est tellement exubérant. Il prend les mots là où ils sont. Les Français, me semble-t-il, ont une certaine hésitation. Pourquoi, par exemple, est-ce que les Français sont constamment en train de chercher l'équivalent français d'un mot ou d'une expression, d'un mot anglais ou d'une expression anglaise? Toutes les inventions du monde moderne ne sont pas le fait des anglophones. Les Français inventent beaucoup de choses, mais il paraît qu'ils ne les nomment pas. Qui a inventé l'airbag, par exemple? Je pose vraiment la question parce que je ne sais pas. Ce sont peut-être les Allemands, c'est peut-être BMW ou Volkswagen, je ne sais pas. Mais les Français disent airbag. Pourquoi dire airbag? Parce qu'on n'a pas inventé un mot. Il faudrait inventer avant les Anglais. Et comme je disais tout à l'heure, je rêve du moment où les Français, devenus très inventifs, posent des problèmes aux Anglais et où il y ait une commission en Angleterre chargée de trouver des mots anglais pour traduire les mots que ces sacrés Français ont déjà inventés. Alors qu'à l'Académie française, nous sommes constamment en train de chercher l'équivalent de mots anglais. Ça ne me semble pas juste. Ça ne me semble pas juste pour l'inventivité des Français, parce que les Français, dans tous les domaines, sont très inventifs, mais peut-être pas tellement dans le domaine de la langue. Peut-être parce que les Français ont toujours tendance à penser, excusez-moi de le dire, que le français est tellement beau, que c'est peut-être c'est sans doute même la langue la plus belle du monde, qu'il n'ait pas besoin de l'enrichir, elle est là, elle est parfaite. C'était le point de vue de l'Académie au XVIIe siècle. Et au début du XVIIIe, Fénelon a dit dans une lettre à l'Académie, vous avez purifié la langue pendant un siècle et vous l'avez appauvrie. Maintenant, il faut l'enrichir. C'est une petite section de cette lettre qui s'appelle « Projet d'enrichissement de la langue française ». Il y a maintenant en France une commission pour l'enrichissement
de la langue française, qui est très officielle. Le président de cette commission est toujours un académicien. Il est toujours nommé par le Premier ministre. Et j'aimerais que cette idée que la langue française soit enrichie soit répandue dans toute la population, pour que les Français inventent constamment des mots. Peut-être qu'une des raisons, excusez-moi de le dire, mais j'essaie simplement de voir clair, une des raisons, c'est qu'il y a une différence aussi entre les Anglais et les Français, dans le sens que les Anglais aiment beaucoup entendre dans leur langue des sons étrangers. Non seulement français, mais allemand aussi. Les Allemands parlent de Schadenfreude, le plaisir que donne la souffrance, surtout la souffrance des autres, Schadenfreude. Et en anglais, nous disons, avec un peu l'accent anglais, Schadenfreude. En français, vous francisez complètement. Les mots français qui arrivent en Angleterre arrivent parfois avec leur accent circonflexe, leur accent aigu, leur accent grave, une cédille, façade, par exemple, peut s'écrire en anglais avec la cédille, tête à tête, à deux circonflexes et un accent grave, alors que toutes ces diacritiques n'existent pas dans la langue anglaise. Et si les Anglais étaient comme les Français, ils les enlèveraient, et au lieu de dire coup de grâce, avec un petit accent anglais quand même, coup de grâce, disons, ils disaient cup de grace, parce que le mot grace existe en anglais, c'est O-U-P en anglais, c'est cup. Alors que, permettez-moi de vous le dire, quand un mot anglais arrive en France, vous préférez, dans la mesure du possible, le traduire en français. Les deux exemples célèbres que tout le monde cite sont, je me demande si vous les connaissez en fait, parce que c'est un peu vieux maintenant, sont boulingrin. Si vous connaissez le mot boulingrin, est-ce que vous connaissez l'origine du mot boulingrin, qui est simplement bowling green en anglais. Et sans doute qu'au début, les Français disaient, c'est un terrain de jeu de boules anglais. Sans doute qu'au début, on disait bowling green ou quelque chose comme ça, bowling green. Et petit à petit, on n'aimait pas dire bowling green, on disait bowling green, boulingrin. Et l'autre, c'est redingote, à l'origine riding coat en anglais, la jaquette ou le veston qu'on met, je ne sais pas quel est le mot technique, quand on monte à cheval. Et sans doute que les Français disaient « riding coat » et petit à petit « redingote ». Les Grecs disent « Aristoteles ». Les Anglais disent « Aristotle », qui est proche. Les Français disent « Aristote ». Les Romains disaient « Julius Caesar ». Les Anglais disent « Julius Caesar », en écrivant Caesar, C-A-E-S-A-R. Les Français disent « Jules César ». Vous voyez ? Et c'est très beau. Je ne critique pas. Les Français veulent que tout devienne français. C'est la différence dans la façon de coloniser, d'ailleurs. Les colonies françaises doivent devenir françaises. Les colonies britanniques, bon, elles restent ce qu'elles sont. Et j'admire la façon dont les Français aiment tellement leur langue qu'ils veulent que tout ce qui vient de l'extérieur s'harmonise avec cette langue,
participe de l'harmonie déjà présente du français. Alors que les Anglais aiment des mots à résonance étrangère pour qu'elles ajoutent justement au son de l'anglais, pour qu'ils enrichissent l'anglais. C'est deux façons tout à fait différentes de procéder. Et toutes ces questions de langue permettent finalement de tout comprendre des différences entre l'Angleterre et la France. Le fait que l'anglais est hybride, souple, réglé, évidemment, la grammaire anglaise est contraignante comme toute grammaire, réglé mais souple, laissant beaucoup de choses qui ne sont pas parfaitement analysables. Le fait que les Anglais parlent comme ça signifie qu'ils écrivent comme cela. Le fait que les Français aiment que tout soit ordonné, que toutes les choses dans une phrase montrent explicitement leur rapport avec tout le reste, comme l'accord du participe passé, qui n'est pas dans toutes les langues romanes. La pomme que j'ai mangée, manger doit se référer à pomme pour que l'on voit exactement le rapport entre les deux, alors que dans beaucoup d'autres langues, on voit le rapport sémantiquement. The apple that I have eaten, ben c'est évidemment la pomme que j'ai mangée. Et ces deux différences-là expliquent la politique, curieusement. La République française est une et indivisible. J'adore cette expression qui, je me permets de le dire, n'a aucun sens. C'est très beau. La République française est une et indivisible. Ne peut signifier que nous aimons, nous voulons que la République soit une et indivisible. Si, par malheur, la Corse se séparait, ce ne serait pas le cas. Mais nous le voulons. Un Anglais ne dirait jamais « le Royaume-Uni est une et indivisible » pour une raison très simple, qu'elle est très divisible et que si l'Écosse se sépare, elle sera divisée. Ce sera le Royaume des Unis. Et tout en France est ordonné et centralisé de la même façon. En France, il y a une constitution. Ça semble normal. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément de constitutions. La constitution actuelle est celle de la 5e République. Il y aura peut-être une 6e République pour laquelle la constitution de la 5e République sera lettre morte, comme la constitution de la 1ère ou même de la 4e. Mais il y a une constitution pour que tout soit explicite. En Angleterre, il n'y a pas de constitution. Il y a jurisprudence, il y a convention, il y a des conventions surtout non écrites, mais absolument contraignantes. Tout est ordonné en un sens, mais non pas par des lois écrites et explicites. En France, on voit des annonces sur un mur, défense d'afficher, décret préfectoral de telle date, telle année. Et ça semble normal. On explique pourquoi on défend les gens de mettre des posters, etc. En Angleterre, on met simplement « no posters »,« no bill stickers », sans explication. Vous voyez, tout en France doit être en quelque sorte expliqué. Le début de beaucoup de lettres officielles commence « vu le décret de
telle année, vu une autre chose de telle année, vu l'abrogation de etc., vu la transformation, vu, et il y a 6, 7, 8, 9 vues avant d'arriver à ce qu'on a à dire. Et cela explique la centralisation de la France qui est là depuis toujours. C'est Colbert au XVIIe siècle qui voulait une France centralisée. C'est la centralisée voulue au moment de la Révolution. L'abbé Grégoire qui voulait anéantir les patois, c'est son expression, anéantir les patois pour que tout soit contrôlé par la langue française. Et c'est la monarchie absolue en général. Et maintenant, c'est la centralisation de l'administration, etc. J'ai envie de parler aussi de la République absolue. Alors qu'en Angleterre, ce n'est pas comme ça. Nous avons eu notre révolution au XVIIe siècle, aux années 1640. Révolution, le Parlement contre le roi, exécution du roi, proclamation d'une République, terreur. Terreur non pas physique, mais intellectuelle. Exactement comme la Révolution française. Mais ça n'a pas marché en Angleterre, précisément parce que la terreur intellectuelle, la forme de politiquement correcte qui était établie par Cromwell, n'était pas acceptable. Il voulait censurer toutes les publications. C'était l'armée qui était au pouvoir. Et les Anglais ne tolèrent pas que l'armée, qui est au service de la nation, ait une quelconque influence sur la politique. Donc, tout en Angleterre, sur le plan politique aussi, est souple. Quel est le rôle de la reine? Très difficile à dire. Un spécialiste vous le dirait. Mais ce n'est pas gravé sur le marbre. Les Français aussi se voient comme des Latins. Je ne sais pas, au fond, si c'est tellement vrai. Les Français du Sud, peut-être, mais il est certain que les Français parlent une langue 80%. D'origine latine, vous faites partie de la latinité avec les autres pays de langue romane, de la Roumanie jusqu'au Portugal et aux pays de l'Amérique du Sud et du Centre. Mais curieusement, les Anglais appartiennent bien sûr à la germanité, l'autre grande civilisation de l'Europe, l'Allemagne, le Pays-Bas, les pays scandinaves, une grande partie de la Belgique, une grande partie de la Suisse, plus évidemment l'Angleterre et maintenant les pays anglo-saxons un peu partout. Et savez-vous que le mot « germanité » n'existait pas dans le dictionnaire de l'Académie française ? Un peu comme si les Français sont tellement latins qu'ils ne veulent pas savoir qu'il y a aussi une germanité. Et qui a été responsable de l'inclusion du mot germanité dans le dictionnaire de l'Académie française? Mézig. Parce que je me suis dit, ça n'allait pas. Il fallait absolument que ce mot y figure. Et tout le monde a dit oui, hein, pour être juste. Il n'y a absolument pas eu de réticence ni d'hésitation. Et j'ai appris, comme j'ai commencé à le dire, une chose en passant d'une langue à l'autre, c'est qu'il ne faut pas juger. Les Français sont comme ils sont, les Anglais sont comme ils sont.
Et pour juger, il faudrait être au-dessus de tous les peuples, de toutes les langues du monde. On ne peut pas dire qu'une langue est plus belle qu'une autre, ou qu'une langue est plus laide qu'une autre. Chaque langue est sans doute la plus belle du monde pour ceux qui la parlent comme leur langue maternelle. J'aime beaucoup quand les Français me disent « le français est la langue la plus belle du monde », sans arrière-pensée, parce que pour eux, ils aiment, parce que cela signifie simplement qu'ils aiment le français. Je n'aime pas quand je lis dans Virivarol et d'autres délirants que le français est la plus belle langue du monde pour les raisons suivantes. Ce qui manque à l'allemand, c'est ceci. Ce qui manque à l'italien, c'est cela. L'anglais, n'en parlons pas. Ce qui manque à l'espagnol, c'est cela. Ça, c'est intolérable. Et en tant qu'anglais, je ne dirai jamais que l'anglais est la plus belle langue du monde parce que le français, il manque ceci au français, à l'allemand, etc. Je dis simplement que c'est la plus belle langue du monde parce que je suis anglais. Je suis tombé dedans étant petit. Et pour continuer cette allusion, et la langue est ma force. Notre langue, à chacun, est sa potion magique. On est tombé dedans étant petit, et on est très fort quand on parle sa langue, pourvu, évidemment, qu'on ne juge pas les autres langues. Et pour l'instant, puisque le temps est parti, pour le moment, ce moment 2021, il me semble que l'essentiel, c'est que dans les deux pays, dans les deux langues, nous travaillons d'arrache-pied à faire évoluer la langue, à inventer la langue. Il y a beaucoup de gens en France qui pensent, peut-être avec raison, que le français est menacé par l'anglais. Quand on se promène, surtout à Paris, on voit de l'anglais partout. L'Académie française fait beaucoup de choses contre cette invasion de l'anglais, des choses tout à fait pratiques. Mais néanmoins, l'anglais arrive de partout et il faut se défendre contre, mais il faut se défendre de façon intelligente. Non pas en disant que c'est la faute des Américains et des Anglais, c'est pas la faute des Anglais et des Américains. Personne n'a dit aux gens responsables de nommer l'aéroport régional de Lorraine qu'il fallait absolument l'appeler Lorraine Airport, parce que c'est ça le nom de l'aéroport de Lorraine. Personne, il n'y avait pas d'agent de CIA, il n'y avait pas d'anglais armé jusqu'aux dents pour obliger des Français à dire Lorraine Airport. Ce sont les Français qui choisissent de parler ainsi. Et il faut tous les jours, avec tout le monde, dire de ne pas parler ainsi. Et la meilleure façon de ne pas parler ainsi, c'est d'inventer, de faire avancer le français, et c'est le rôle évidemment des écrivains, de faire que, des écrivains même d'origine étrangère, de faire que la langue française continue d'évoluer et reste une langue vivante. Il y a des langues mortes. Quelle est la différence entre les langues mortes et les langues vivantes? Ce n'est pas simplement que personne ne parle le latin ou le grec ancien, alors que les gens parlent le français. La différence, vraiment, c'est que le latin n'évolue plus. Et le corollaire, c'est que si le français est une langue vivante, c'est précisément qu'elle évolue. On ne peut pas se satisfaire du français de maintenant. Il faut qu'elle évolue. Et c'est évidemment aux jeunes de prendre la relève et de faire que le français évolue, change continuellement dans le bon sens. C'est à vous de décider quel est
le bon sens plutôt que le mauvais. Voilà, alors je me tais. Merci de m'avoir écouté.